Bonjour, je suis Philippe Huget, je vous invite à venir voir mon exposition à Bogota. En tant que précurseur du pop-up, il y a 30 ans, j'ai commencé en faisant des livres à la main, en collant une pièce, puis deux pièces, puis trois pièces, et en faisant le façonnage et la reliure de livres en grande quantité. Et après ça, je savais plier du papier et le fixer. Mon travail, c'est de faire un pont entre le papier et le numérique. J'ai toujours fait un peu des deux. Il y a des temps différents. Il y a des temps artistiques avec alcool, il y a des temps artistiques avec gueule de bois. Et c'est un incessant aller-retour entre les deux. Je suis fatigué, je suis assis à l'ordinateur, je suis en pleine forme, je découpe du papier debout. Eh bien, aujourd'hui, je suis très heureux d'exposer en Colombie. Je ne suis jamais venu en Amérique du Sud, donc c'est une très bonne occasion pour moi. Voilà. La Colombie était un pays de pop-up il y a 40 ans. Tous les pop-up étaient faits en Colombie avant, avant la Chine. J'accepte les invitations du monde entier parce que la France représente la dernière nation à faire du pop-up et donc je suis très heureux d'accepter les invitations du monde entier car c'est éminemment politique le pop-up, c'est un livre extrêmement difficile à faire, très cher, assemblé à la main et il faut presque le soutien d'un pays derrière soi. Donc je me plie assez volontiers aux invitations.